séance de travail. Secrétaire de séance, monsieur Renaud Jarret. Cette séance de travail, je vais la débuter un peu différemment, parce que c'est une journée qui est exceptionnelle et je vous demande de vous lever pour essayer de rentrer. Ce 28 mars, le président de la République a rendu un hommage solennel même à des victimes du racisme, de l'antisémitisme et de l'intolérance. En effet, voici quelques jours, un colonel de gendarmerie, dans l'exercice de son métier, était froidement abattu par un islamiste radicalisé, tuant par ailleurs deux de ses collègues. Une dame âgée, qui avait échappé au Chambregas il y a 70 ans, était assassinée dans son appartement parce qu'elle était juive. Cette cruauté a traumatisé la France entière, mettant dans la rue des milliers de concitoyens, de patriotes, tout âge et sensibilité confondus, défendre les fondamentaux républicains, témoigner le droit à la différence. Grenade, qui a vécu le 13 juin 1944, le martyr des SS, s'associe à la peine et à la douleur des familles victimes des atrocités, d'individus haineux. Au nom de ce conseil municipal, et pour tous les Grenadois, je vais vous inviter à respecter une minute de silence en témoignage de solidarité. Et des restes à réaliser également en recettes
de moins de 6674,10, ce qui nous fait un besoin total d'autofinancement de 433 092,70. Donc cette affectation du résultat que je vous propose, enfin que la commission vous propose, c'est un article R2068 du budget primitif 2018, l'autofinancement de 433 092,70 avec le résultat de fonctionnement reporté de façon du budget numéro 002, 168 745,25, avec un virement à la section d'investissement à l'article 023 de 278 576,89, et ce virement de la section de fonctionnement qui sera en article 021 de 278 576,89. Bien sûr, toutes ces écritures sont inscrites au BP primitif 2018. Y a-t-il des questions sur cette affectation de résultats? On en a déjà eu une grosse partie quand on a fait le compte administratif. Y a-t-il des questions? Bonsoir. Donc je vais le mettre au vote. Y a-t-il des gens contre? Y a-t-il des abstentions? Des abstentions? Ok. Voilà pour l'affectation des résultats. Donc taxe directe locale 2018. Donc vous savez que le dossier de la piscine a été vu et digéré. Les taux étaient sur les rails. Néanmoins, pour procéder à son financement, au financement des travaux, donc je vous propose une augmentation des taux de la taxe directe locale de 0,72. À 0,50, c'est pas 1, c'est 0,72, qui correspond à un besoin bien identifié. Et eu égard à l'investissement, à produire donc sur la réhabilitation de cette piscine municipale, à partir des bases d'imposition prévisionnelles de figurant sur l'état, donc numéro 1259, pour l'année 2018. Je voudrais même attendre un petit peu tomber le coup pour un terre singulier. C'est dessus qu'on avait monté une opération de réhabilitation de piscine sans s'être véritablement attaché au financement, et on avait anticipé cette opération et sans vraiment être au cas de financement tout à fait cohérent en place. Je veux dire que tout ça a été étudié, l'augmentation de 172 en témoigne, il y aura un emprunt comme dans le budget, si Richter en parlera, qui sera éteint, de 376 000 euros. Et j'ai adressé un courrier à la communauté de communes pour obtenir un complément de subvention. Ce courrier aura un écho favorable. Pour l'instant, je ne connais pas le montant, tant qu'il n'est pas voté, je ne l'indique pas. Mais la communauté de communes fera un effort supplémentaire et qui s'en rajoutera. Donc, pour ça, 187 000 euros, vous avez déjà obtenu précédemment lors d'une séance de. S'il y a un plus, ça sera donc un bon emprunt. Tout cela, ça a été bien calé, bien étudié. Donc, est-ce qu'il y a un commentaire sur cette opération? S'il n'y en a pas, je vais mettre dans cette modification plutôt au voix. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Et donc des gens qui votent et qui s'abstiennent. L'abstention. Est-ce que vous avez, ceux qui votent contre, une raison particulière de voter contre? C'est tout simple. On a planté les habitants de mémoire pour la commune à l'arrivée de la mandature. On a augmenté la communauté de communes, là on remet une petite louche, et bon, au fur et à mesure, le problème c'est que les gens ne peuvent pas suivre, quoi, tout ça. Hein, la fiscalité locale est déjà très lourde, alors je ne lis pas
les défaillances de l'État actuellement, mais concernant la piscine, il n'a rien été fait pendant des dizaines d'années pour l'entretenir, et effectivement, on arrive à la faire avec une facture de travaux très importante, aucun financement pour nous aider, particulièrement difficile à avoir. Donc, c'est vrai que je peux pas moi, pour ma part, je ne peux pas cautionner une nouvelle fois une augmentation d'impôts. C'est trop facile. Bon, c'est trop facile. Je vais répondre, monsieur Berger, la démagogie, la dépendance. Pendant X années, nous avons procédé à l'entretien de la piscine, nous avons investi assez lourdement chaque fois. La piscine n'a jamais été fermée, elle a toujours eu l'agrément de la TAS. D'ARS, tout s'est toujours très bien passé. Si elle avait été négligée, la piscine aurait été fermée, la piscine fonctionnait, et si aujourd'hui il a fallu entreprendre des travaux relativement lourds, cela a été justifié par sa conception des années 60, et toutes les canalisations passées sous la piscine avaient été en danger d'utilisation. Vous rajoutez aussi que cette piscine est une structure importante pour la communauté de communes, puisqu'elle fait partie des opérations structurantes et tout à fait nécessaires, et à la vie scolaire, au tourisme et à l'économie locale. Et quand on est chef-lieu d'ancien canton ou communauté de communes, le siège, c'était un outil qui était tout à fait nécessaire. S'il y a des défaillances, elles sont au niveau du département, elles sont au niveau de la région, elles sont au niveau de GESPORT, nous pouvons bien. Tous ceux qui ont pu faire l'effort dans l'investissement, ce sont des gens très concernés, et par tout ce que j'évoquais, la jeunesse, le tourisme, la culture et le sport. Et c'est la communauté de communes et la commune de Madame. Et je salue l'effort de la communauté de communes et qui a fait donc, ce qu'elle devait faire, que cet outil reste tout à fait opérationnel et que puisse être mis à disposition des populations à partir du mois d'août. Voilà, bon, je note que vous n'êtes pas pour la piscine, mais c'est. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis, tout comme vous, très attaché à ce qu'il puisse y avoir une piscine sur le canton. C'est la raison pour laquelle je vous ai coupé. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Je vous demande de me laisser parler. Le problème qui se pose et que je voulais poser, c'était celui de l'augmentation insidieuse de la fiscalité locale que vous faites tous les ans, d'une manière ou d'une autre. Voilà où est le problème. À ce à quoi vous ne m'avez pas répondu, puisque vous voulez me faire dire que je suis contre la piscine, ce qui a été le terme de vos propos. Ça n'est pas le cas, vous le savez très bien. Alors concernant, je ne réponds pas à la question que vous avez posée, parce que M. Sien Consolo, tout à l'heure, quand on donnera les ratios, et vous verrez que nous sommes très très bien placés dans cette démarche. C'est la double peine systématiquement. Nous, la piscine, elle existe, il faut la faire vivre, il faut s'en occuper. Et je pense qu'on va la financer avec les partenaires qui souhaitent que ça fonctionne. Et avec ceux qui votent le rouge. Oui, c'est pas par pur plaisir que le budget n'est pas voté, ou qu'on s'abstienne, c'est pas par pur plaisir. Mais voilà, avec le peu d'éléments que l'on a, c'est difficile de se prononcer. Et après, voilà, il y a des choses qui sont... Le peu d'éléments, c'est quoi? Certes, il y a la commission des finances, on y est. Ouais. Mais en fait, la commission des finances, il se passe ce qui se passait avant, lorsque nous n'étions pas en commission des finances. C'est-à-dire, nous arrivons en commission des finances, Cyril fait très bien son travail, très sérieusement, expose tout, mais il y a très peu de discussions, et avec lui, le peu d'éléments qu'on a,
c'est difficile de dire quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que y a des choses qui sont peut-être élémentaires pour moi. Vraisemblablement. Merci de le souligner. Je vois là pour toujours votre sens. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Oui, bien sûr. Et donc, enfin voilà, des choses, je redis, élémentaires. Il y a des communes autour de nous, 1500 habitants, donc 1000 habitants de moins que nous, qui fonctionnent avec 1,5 emplois en mairie. En mairie, dans les bureaux. On est à 2500 habitants, 1000 habitants de plus, donc, et je crois qu'on est à beaucoup plus. Alors, c'est 0,72 points, 40 000 euros, ouais, pour... C'est ce que j'ai expliqué, un petit peu, ouais. Voilà, est-ce qu'il y a eu... Bon, on l'a voté, le dernier emploi, parce que c'est difficile de ne pas voter contre une création d'emploi. Mais est-ce que ça se fait, c'est toujours nécessaire? Est-ce qu'il y a eu des économies, à l'heure où on entend, surtout les médias et autres, gouvernements et autres, qu'il faut réduire le train de vie des collectivités territoriales? Bon, est-ce que... Moi, c'est des choses comme ça qui font que j'ai du mal à voter un budget. D'accord, alors pour vous dire que le... concernant les emplois que l'on propose, par plaisir, on crée de l'emploi. On en crée parce qu'il est nécessaire. Regarde le ratio de la charge des salaires à la section de fonctionnement, on est entre 50 et 55. Je sais qu'il est tout à fait très très raisonnable. Très très raisonnable concernant la collectivité. Alors, je dis que de temps en temps aussi, quand on se regarde aux possibilités et on se rassure lorsqu'on se comprend, et essayer de faire en sorte de regarder ailleurs comment ça se passe, et vous viendrez apporter la réponse ici en séance publique, vous verrez comment ça va tout le passé. Même si ça peut paraître beaucoup, mais vous savez, quand on a l'équivalent de 20 hectares d'espace vert à entretenir, lorsqu'on a des transferts de charges qui sont faites par l'État, il faut assumer. Et encore certains on les assume, il y en a un transfert à la côté commune. L'État se décharge. Donc peut-être on pourrait peut-être soulager la masse salariale au niveau de la mairie. Mais non, on ne peut pas. Si on pouvait le faire, on le ferait quand même. On n'a pas embauché de personnel sur les espaces verts. On remplace 1500 habitants, tourne avec 1,5 emplois en mairie. On va faire ça. Je ne pense pas qu'elle soit très, très, très dynamique, cette commune. Ah bon? Je ne pense pas. Parce que tourner avec mes censeurs et un emploi de nuit, je crois qu'il y a quelque chose de rester à la traîne. Ah bon? Ah oui, sans question. Je ne ferai pas au maire de cette commune. Mais vous le dites, il faut l'enlever, même si c'est pas avec nous. D'accord. Je suis pas avec nous, c'est peut-être que vous avez. Non, mais après, je te comprends dans le personnel. Après, il faut savoir comment on vient le personnel mairie. Mais après, il y a quand même le personnel qui... Par les personnels mairie. Ouais, mairie, d'accord. D'accord. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnel, mais bon, tu as du personnel qui est détaché, qui travaille à la cantine au niveau du collège. Non, c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est vrai. Dans la mairie. C'est là que si on va remonter très loin, il y avait à peu près le même nombre d'habitants à Grenade. Beaucoup moins de monde aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des économies qui auraient pu être faites là-dessus? Alors, quels sont les emplois qui sont là-dessus? Non, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais s'il y en a un trop vite, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est simplement, voilà, ça repart. C'est vrai qu'on a toujours voté, on a toujours voté, et on vous a toujours appuyé. C'est ce qui est important. Mais c'est vrai que apparemment, oui. S'il a été créé, c'est qu'il est nécessaire. On peut constater certaines choses. Si ça traîne ou pas excessif, on va faire une gratuité simplement pour faire un terme de jeu. Bon, ok. On continue. Cyril, tu continues s'il te plaît. Oui. Donc on est aux subventions de fonctionnement, c'est ça, si on ne vous trompe pas. Donc la commission vous propose de faire une augmentation de la tranche au niveau des subventions de fonctionnement pour les associations sportives et pour les autres associations, bien sûr, également. Donc je pense que vous les avez, hein, vous avez tout le tableau. Parce qu'ils n'ont pas. Alors, la pétanque, c'est pas que ça ne vous pas. Ils n'ont pas de licencié de moins de 16 ans. Ils n'ont pas de licencié de moins de 16 ans.
la raison était là. D'ailleurs, si tu dois avoir marqué. Oui, oui, c'est blanc. Parce que c'est ça. Après, leur part fixe a augmenté d'un 30. Hein. Voilà. Maintenant, il en est de même pour les autres associations. Inclus dedans, bien sûr, l'OGEC Notre-Dame, hein, pour 40 élèves qui sont primaires. Voilà ce que nous vous proposons, ce que la commission propose. Ok. Parce que, et dans une augmentation de 1,32% pour les associations qui sont identifiées. Y a-t-il des gens qui votent contre ? Y a-t-il qui s'abstiennent ? Vous les votez ? Vous n'avez pas de recettes ? Comment ? Vous n'avez pas les recettes et vous n'avez pas. Non, les associations. Oui, ben ça j'ai omis de vous parler du règlement, mais vous savez que si on nous demande un 30, le règlement n'a pas changé, sauf les valeurs. Hein, vous êtes d'accord ? Donc pour la dotation forfaitaire, et allez, pour 2018, elle sera de 5,84 € pour les licenciés de moins de 16 ans. Ce qui a changé également donc, pour les 1,30, c'est la subvention exceptionnelle, qui est de 329 €. Ensuite, à titre collectif, quel que soit le nombre d'équipes tirées au sein d'un même club, 167 €. Et à titre individuel, 84 €. Donc ça découle de ce que vous venez de voter des 1,30. Voilà. Donc il faut mettre le. Oui, par contre, vous devez voter le règlement. En plus de ça, il faut voter le règlement. C'est un global. C'est un global. Donc, je recommence alors, c'est un global. Donc est-ce qu'il y a des gens contre ? Des abstentions ? Eh bien merci. Les gens qui sont membres d'une association qui ont participé aux autres. Il y a Bruno. Cyril. Jacques, oui. On est trois, Bruno et Cyril. Et toi, vous êtes au bureau ? T'es au bureau ? Non, tu n'es pas au bureau. Ah, okay. Toi, tu es au bureau. Donc, Jacques. Amitié d'automne. Si vous voulez bien, on va continuer. J'ai ta métier pour 2018. Au niveau de la commune. Voilà, je vous parle juste du cadre et après, je sais que vous avez reçu les documents, vous me direz si vous avez besoin d'informations. Donc, ce que la commission propose dans ses comptes de fonctionnement, recettes 2 337 745,57 €. Et on dépense bien sûr 2 337 745,57 €. En investissement, 1 653 578,50 €. Et on dépense bien sûr 1 653 578,50 €. Donc, vous avez reçu en document les recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses de fonctionnement et pour les investissements également. Je pense que vous avez eu le temps de les étudier, même si on vous a envoyé ça au dernier moment. C'était toujours dans le. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'il y a des articles qui vous chagrinent ? Est-ce qu'il y a des interrogations quelque part ? Bon, donc on va passer au vote pour le fonctionnement. En fait, global aussi. Merci. Je suis un investissement. Pardon. Non, si vous avez mis, justement, je pose la question. S'il y en a qui ont des questions, ils me posent tout de suite. Vous me posez des questions, il n'y a aucun souci. Donc on va passer au budget primitif donc, d'investissement.
Là, il y a un gros point. Vous allez vous voir, d'ailleurs. Vous retrouvez donc en recettes d'investissement en 1068 les 433 092,70. Ça, c'est dans le fonctionnement capitalisé. Donc, si vous en avez besoin pour... Ensuite, la proposition donc en 1641 de faire un emprunt de 376 000 euros. Ce besoin, il est pour la piscine. Au niveau des recettes d'investissement, vous avez des questions à poser? Des interrogations, peut-être? Chemin de Fouquet, c'est le chemin pour la monétisation pour Marie-Lise. Voilà. Donc on le retrouve en recette, on va le retrouver en dépense. En frais d'honoraires et de géomètre. Petite d'autres questions? Très bien. Donc on va passer aux dépenses et aux investissements. Donc en 2031, il y a eu l'avenant numéro 2 pour la piscine qu'on a voté tout à l'heure, enfin qu'on a indiqué tout à l'heure. Une subvention d'équipement versée, celle aux pompiers, ben, on aura encore une année en 2019, encore à régler cette subvention. Pour le centre de secours. Après, en 21, un gros morceau, c'est le cimetière. Parce que vous savez qu'on avait prévu déjà l'ADAP. Donc il y a 21 000 euros qui se font pour l'ADAP, pour le cimetière. Après, c'est surtout la piscine, bien sûr. Hein, que vous avez un travaux en cours, 897 950, plus les 245 400 qui étaient en reste à réaliser pour la piscine également. Pardon, vas-y. 21, pardon. Ça, c'est les accessibilités de tous nos bâtiments de la commune. Vous savez qu'on avait fait un programme sur 6 ans. Sur 6 ans, c'était obligatoire. Donc, on avait fait un programme. Il faut qu'on se le respecte. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ça va aussi bien de l'autocollant qu'on met à la marche que la barre, un peu tout, hein, au niveau de la date. Hein. Matériel. Ça donne moins cher. 21 578. Oui. Alors ça c'est en voirie, donc il y a une tondeuse, ouais. Une tondeuse tractée. On a un personnel qui est électricien, mais c'est bien bon qu'il soit électricien, mais si on n'a pas de kit d'électricien pour qu'il puisse travailler, il ne peut pas avoir accès au bâtiment et faire ce qu'on a envie de lui pour ça. Et vous savez, depuis le zéro phyto, c'est bien beau. Je suis vachement content, je m'excuse de le dire. Mais c'est un coût. Et ce coût-là, on le minimise quand même, parce qu'on avait un autre matériel qui était beaucoup plus cher, qui était dans les 31 000 euros. Là, en ce moment, vous voyez, on est avec la bobonne et en train de cramer les herbes. Et là, c'est une brosse. C'est une brosse de désherbage qui fait aussi bien sur le côté que sur pour aller plus vite pour voilà. C'est tout. Pour l'instant, on trouve cette solution complémentaire à ce qu'on a déjà. Oui, parce qu'il y a eu une démonstration de. Les deux démonstrations ont eu lieu. Il y a eu un appareil qui était bien mieux, mais
Alors, on ne peut pas se permettre, puisque je donne quand même le prix, c'était 31 000 euros. Alors, on ne peut pas se permettre, hein, c'est une chaudière de 500 litres. On chauffe et puis on aborde. Hein. Peut-être qu'en 2019, on pourra faire le fond de la voie. Voilà. C'est une machine qui est lourde, après. Ouais. Ils sont venus ici le proposer. C'est Maurice sur je crois. Non. Et pas chez on ne peut pas l'acheter avec Saint-Maurice. Et apparemment. Après, en localisant, mais pour l'instant, ils en ont parlé. Je crois qu'il y en a qui ont déservé en décembre. Sur les voilà. Donc, à l'utilisation, on ne peut pas l'acheter. Autrement, c'est vrai que l'idée y était. Mais je ne sais pas si c'est des amis qui sont déjà équipés. Elle se loue pas? Non. Mais c'est là. Non, pas ça. Oui, c'était des non, non, ça se loue pas. Encore. Y a-t-il d'autres questions? La chaudière, là, du rugby, elle est dans. Oui, ça va. Avec la 58, il y aura son remplacement. Ah oui, c'est là qu'elle est inscrite. Elle est inscrite dans 2558. Vous remarquez que c'est basé sur la fille, il n'y a pas que la piscine, il y a l'entretien courant des installations. Le matériel qui lâche, le voiture a changé, le chaudière est fermé. Et les faïences, il y a le quotidien, le voiture, il n'y a pas d'enjeu. La piscine, c'est vrai qu'on fait la réhabilitation, mais il y a certains équipements qui nous est propre, qui ne vont pas aller avec. Cette réhabilitation, comme le diffuseur de chlore qu'on avait, qui est en plus, et c'est un besoin, et c'est un besoin maintenant. Et il y a cette fameuse cuve de 500 litres également pour le traitement de l'eau. Voilà. Il y a donc ces deux éléments, bon, c'est presque 7000 euros les deux, donc c'est un apport encore en plus, mais ça c'est au niveau de l'investissement. La réhabilitation locale de la partie alimentaire, oui. Je me tiens l'état en l'ombre pour l'électricité 8 000 euros, oui. Et ensuite en 21-531, l'implantation au potable locale banque alimentaire, oui. 2 000 euros. Oui. Parce qu'il y a l'assainissement également. C'est où ça alimentaire. Il faut voir que derrière la peignade. Ah, d'accord. Voilà, il y a 8 000 euros. Cette banque alimentaire, bon, elle est aujourd'hui au niveau de sa réhabilitation. Nous ne sommes pas hostiles à la réhabilitation, mais savoir que tout ce local, il est censé accueillir les denrées de tout un territoire de pays comme un peu communal. Donc on nous demande de le réhabiliter. Nous allons faire à minima, et nous allons y mettre l'eau, nous allons connecter sur l'assainissement, nous allons mettre l'électricité, nous allons y mettre un lavabo. Mais après, tout ce qui est aménagement intérieur, c'est l'affaire de l'association. Voilà. Mais il est difficile pour nous, de prendre en charge l'intégralité de l'aménagement, sachant que cette installation, elle sert à tout le territoire communautaire quasiment. Et jusqu'à preuve du contraire, quand j'ai fait appel aux communes pour. Demander s'il y avait de la solidarité, s'ils avaient des locaux disponibles, s'ils avaient. Je n'ai pas dû bien m'exprimer parce que j'avais besoin de retour. Et donc c'est Grenade qui fait l'effort. Il fait l'effort. Bon, mais on va demander l'impossible. Je crois qu'il y a aussi, comme on fait avec les associations, il y a un partenariat qui doit se mettre en place entre la collectivité et l'utilisateur. On l'a fait avec le siège de tennis, on l'a fait avec le rugby, le foot, etc. Je crois que la banque alimentaire aussi peut y faire dans ces questions. Ça fonctionne plus depuis le temps, la banque alimentaire aussi.
Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on a ciblé un bâtiment pour mettre à disposition chez maintenant. On a juste ce bâtiment, il ne remplit plus toutes les conditions. Il faut ne pas perdre de vue non plus. Il y a dans Grenade des bâtiments tout à fait adaptés à accueillir la banque alimentaire. Vous la connaissez, la banque collégienne, vous la connaissez. Bref, il y a, on va pas essayer de cibler, on va mettre ensemble dans l'embarras. Mais il y a des locaux dans Grenade qui pourraient être mis à disposition à titre de solidarité. C'est bien de manière la commune d'investir pour faire, mais il y a des privés qui pourraient très bien faire ce petit effort aussi. Donc on a bien une prévision, il y a quand même une prévision pour ça. On essaie, on va essayer de le savoir. Si j'avais une prévision, ça va être une prévision. On serait déjà que dans l'entretien, ça serait vraiment une prévision. Nous ne pouvons pas demander une aide à la communauté de communes pour que ça, puisque ça touche quand même pas simplement Grenade. C'est le local qui nous faut. Oui, mais bon. Vous savez, la communauté de communes, c'est la Bretagne à contrer assez facilement. On veut bien vous demander quelque chose, mais c'est pas dans ses compétences. C'est pas dans ses compétences. On fait que dans le cadre de compétences. C'est un local sur Grenade, oui. Donc, oui, le local, il se passe sur Grenade. Obligatoirement. Non, c'est une habitude qui a été prise depuis des années, mais c'est ce que j'avais dit à leur assemblée générale. Vu le rayonnage que vous êtes en train de me dire, il n'y a pas que Grenade. Ben non. Alors, des fois, il faut peut-être voir un peu à l'extérieur, c'est pas qu'on veut pas, mais il est plus adapté, il va falloir faire quelque chose, mais il n'y a pas que Grenade, quoi, attendez. Ouais, peut-être. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on va aller le mettre à Castanguet, mais peut-être sur Carrière. Oui, il y a des locaux sur Grenade. Oui, il y a des locaux sur Grenade. Voilà. D'autres autres que ceux qui s'en occupent sont parfaitement bien placés pour interpeller le propriétaire. Mais on va faire quelque chose quand même. Allez, pas de ben pour moi, question de question. C'est surtout s'il y a des questions encore. Vraiment, on l'a dit, hein, c'était 2 ans à budgétaire, ici. Voilà quoi. Il ne faut pas continuer. Voilà, c'est cool. Oui. Mais si seulement, Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais mettre sur le budget prédictif au voix. S'il y a des gens qui s'opposent, s'il y a des gens qui s'abstiennent, on va faire l'abstention. Allez, on est parti. Okay. Allez, on continue. Si vous voulez bien, on va partir au budget annexe. On va commencer par le budget annexe de la loi 7. Alors, comme j'avais dit au CA, je pensais qu'on aurait pu le clôturer pour le CA. On n'a pas pu parce qu'il y a un versement de terrain qui n'était pas fait. Donc on est obligé encore cette année de faire ce budget annexe. Et vous voyez, il est vraiment vide de tout. Donc en dépenses de fonctionnement, c'est un total de dépenses de 809 401,05. Et en recette de fonctionnement, 809 401,65. Et il en est de même pour l'investissement au niveau des dépenses et des recettes d'investissement. Je pense que l'année prochaine, et ben, au budget prochain, on aura plus. Au CA prochain, on pourra le clore. Voilà. Alors, j'ai pas trop de. À moins que vous ayez des questions là-dessus. Par question, à la mettre à sa voix, les oppositions, les abstentions. Et bien on a un budget. Maintenant on a un budget annexe supplémentaire, qu'on aura tout le temps maintenant, puisque c'est celui du budget annexe de l'animation festive de la ville. Vous l'avez reçu également. Donc je tiens à vous dire hein, qu'on a voté déjà pendant un ou deux conseils municipaux plusieurs contrats d'artistes ou de
du spectacle, l'intervenant. Oui, c'est pas le président. Voilà. Donc, en recette de fonctionnement, vous voyez, il y a. Avec une subvention au niveau de la commune de 27 730 euros. Ce qui nous fait une recette de fonctionnement de 34 130. Et ensuite, en dépenses de fonctionnement, ben, bien sûr, c'est l'alimentation, les fournitures diverses, les locations, enfin, un peu tout pour la déjà. Les fêtes et cérémonies, les concours d'hiver en adhésion, les services extérieurs comme la SACEM, comme le bisou, tout ça. Et des charges sociales, bien sûr, comme d'habitude, tout ça pour les pourcentages. On arrive bien sûr à 34 130 euros. Vous avez assez d'explications. C'est bon. Déjà qui s'oppose. Déjà qui s'abstient. Deux, trois abstentions. Ok. On continue. Nomination de demande du conseil d'exploitation à la régionalisation des fêtes festives de la ville. Madame Stéphanie. Alors, il s'agit de compléter les membres du conseil d'exploitation. On a deux bénévoles, dont Véronique Mesnec, qui était déjà avec nous l'année dernière, donc qui intégrerait le conseil d'exploitation, et Thibaut Couture, qui est très dernièrement apparu, enfin voilà, qui s'est manifesté auprès d'Organe, qui a manifesté sa volonté là, de faire partie de la régie, de participer au. Thibaut, c'est le fils de Sandrine. Et l'autre jeune homme, oui, parce que je trouvais que c'était un homonyme, mais non, c'est lui. L'autre là, il s'appelle comment Pierre. Pierre. Il a des starakes. Des starakes, exact. Ah bon, vas-y, c'est bon. Vas-y. Ah, tu lis donc ta liste des noms. T'as donné les noms, ta liste des noms. Oui, alors les deux nouveaux, donc c'est Véronique Lézard et Thibaut Couture, et qui rejoindraient Alain Durie, d'accord. Et Christophe Noël dans la partie des membres non élus qui ont été décidés. Oui, alors on va être invité à se prononcer sur la composition de ce deuxième collège. Donc, dans les lignes, ils ont été listés. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Si on a remercié ses bonnes volontés. Sans cette main verpée, l'énergie, vous êtes réunis quand même depuis ça, je pense. Ah oui, oui. Mais je pense qu'on va faire ça. C'est Organe, Thank you.
Donc pour 250 euros, cette opération, ce contrat d'engagement avec...
avec Nicolas Lassalle, les oppositions, l'abstention, si je ne vois pas. Pour quelle information, dans rien de livre, m'indiquer que le programme reçu par les gens que je rencontre un accueil très favorable et les conversants sont aussi, s'avèrent généreux. Donc, déjà, je remercie par avance. Oui, parce qu'on ramène la fête sur place, comme on dit, convention de financement de formation professionnelle pour un contrat de salarié énoncé à l'appui de MLS 40. Dans notre MLS, la FITO, dans l'obligation de la formation de l'OCCH, et cette obligation dans son crêpe de Bordeaux coûte 226 euros. Donc, ça concerne M. Lafito, notre MNS, formation de recyclage obligatoire. S'il y a des oppositions, ici, des abstentions, donc, ce sera opérationnel. Création d'un poste permanent d'adjoint technique territorial à temps complet. Donc, suite au départ de la retraite d'un agent des services opérationnels, il conviendrait de recruter un agent pour son poste SMR et de créer un poste dans le mandat d'adjoint technique territorial à temps complet à côté du 1er mai et 2018. Donc, M. Alain Laroux a pris sa retraite, et il est remplacé donc, suite à consultation de diverses candidatures et par Jean-Baptiste Larcan. Jean-Baptiste Larcan. La rivière, c'est le fils. Elle consiste donc à créer un poste spécifique, on ne peut pas le verser directement sur le poste de M. Laroux, et qu'il y avait un coût plus élevé. Donc on crée ce poste et on fera rentrer de niveau plus tard. Donc sa création d'un poste de grand adjoint technique et territorial à complet à compter donc, du 1er mai 2018. Il y a des oppositions, il y a des abstentions. Adopté. Convention de stage tripartite entre la commune de Grenade, le lycée polyvalent privé Jean Cassaigne et Moselle Théa Garé. C'est un élève du lycée polyvalent privé Jean Cassaigne qui doit faire un stage de découverte dans le secteur professionnel en vue de son orientation au sein du service d'éducation de la ville de Grenade pour la période du 11 juin au 24 juin 2018. Je n'ai pas vu ce type de personnel pour stagir. Et cet élève, parce que Garé, ça me rappelle Garé de Père de Santé. Voilà. Donc, est-ce que les gens s'opposent à cette demande de stage et à signer cette autorisation, cette convention? Des oppositions, il n'y en a pas, c'est adopté.
Je voulais vous parler de la zone bleue. La zone bleue sur la place. Il y a des jeunes qui se sont interpellés entre 17 et 25 ans. Je pensais à Valamont pour quand même préparer le sujet sur le jeu. Cette modification donc, du numéro du PU concerne dans la zone N qui figure donc dans notre document d'urbanisme. Ça concerne les zones arborées qui sont inconstructibles et même pour le bâti agricole. Ceci figure dans le règlement actuel du PLU de Grenade. Donc, pour faire évoluer le PLU de Grenade, qui est aujourd'hui de compétence de la communauté de communes, CCPG, et ceci par les lois, la loi NOTRe, il faut procéder donc à une remise en état et de supprimer donc, cette zone N. Et nous avons consulté la DDT M. Qui nous dit que pour supprimer la zone N dans notre PLU, on peut passer par une modification simplifiée. Ça, c'est la communauté de communes qui met ça en place. C'est la communauté de communes puisqu'elle met en place les compétentes et par la loi, il y aura un coût donc, qui sera entre 1 500 et 2 000 euros. Mais pour dire que cette décision prise par la CCPG permettra à toutes les zones N de Grenade de bénéficier de constructions agricoles. Mais dans le cadre du PLUI qui se devrait mettre en place, nous sommes dans la phase PADD, et dans le PLUI futur, la zone N sera traitée et permettra dans tous les territoires de communautaires et de pouvoir bénéficier de connaissances. C'est simplement une faveur intermédiaire donc, qui est accordée à la commune de Grenade. Ça concerne tout particulièrement le secteur de chez Marie-Claudie de Fayet. Le chemin de Coutette, on le verra ça ultérieurement. La quête sera prise en charge par la commune, ça concerne donc, un morceau de chemin communal et qui sera donc vendu et à SAR. Non. SAS Métalago. Cela, donc, on le verra ultérieurement, c'est pour dire que dans ce secteur, le fait de faire cette méthanisation, et il y a une intervention sur le zonage N, il y aura une intervention avec une démarche simplifiée, et il y aura donc à côté une enquête qui est lancée pour essayer de soustraire ce chemin qui ne sert à personne, et d'être mis à disposition. Rappelez aussi, bon, demain à 10h30, qu'il y a les obsèques de M. Douat Alain, qui était le président de la pétanque ici à Grenade, obsèques dans la Vendée. Et je rappelle, je ne connaissais pas, qui avait remis le clos de pétanque sur les rails. Après, il est dérivé un certain temps. Donc, Madame Florence Tiercelin est donc sur la dernière séance publique aujourd'hui. Elle prendra sa retraite, j'arrête officiellement aujourd'hui, ce soir. Et elle fera alors un tour à tous ces gens, tous les gens qui ont reçu l'invitation. C'est son choix. Et ça se passera donc samedi, vendredi à. À partir de 17h, non pas ici, mais ça se passera au centre socioculturel, initialement ici, mais parce que le centre socioculturel était occupé, il est libéré depuis, donc le transfert se fera là-bas, parce qu'il y aura une centaine de personnes, et ici c'était difficile de les accueillir. Et il y a
au règne de ces communes. Ceux qui ont reçu l'invitation également pour le cours d'aller en la route, ça se passe avant le mercredi 4 à 18h ici à la mairie. Concernant, donc je vais apporter le dossier donc des verbalisations sur la zone bleue, place des lieux. Nous avions jusqu'à maintenant la possibilité, il y avait pour tous ceux qui étaient à l'excès du stationnement, et nous avions donc le policier municipal pouvait verbaliser à hauteur de 17 euros. C'est ce que ça était de la compétence du maire. Depuis le 1er janvier 2018, l'État s'est substitué au maire, c'est l'État qui a décidé, et par un décret, il a déporté donc cette amende à 35 euros. Le maire, lui, faisait 17 euros. L'État, au 1er janvier, a dit terminé, c'est moi qui décide, c'est 35 euros. Donc ce n'est pas le maire qui change la vie, c'est l'État qui a pris la place du maire pour faire un successeur. Rappelez les horaires, il y a des horaires, les horaires qui sont mentionnés, c'est de 8h le matin, 8h30 jusqu'à midi, et à par tranche de 1h30 et de 13h30 à 17h30. 14h. Non, à 17h30. C'est 14h à 17h30. Après, depuis 17h30 jusqu'à 8h du matin, c'est gratuit. Mais dans ces créneaux-là, donc, le policier municipal sera amené donc, à intervenir. Les seules possibilités qu'il y a de faire varier cette sanction, ces comportements clos, c'est qu'il y ait un ordonnateur. Un ordonnateur, ça coûte 5000 euros, 2000 euros par an d'entretien, avec une réglementation qui est quand même relativement souple, mais exigeante, en présence. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Place bleue, et zone bleue, c'est plus 17 euros, c'est 35 euros. Le fonctionnement, ce n'est pas le fait du maire. Certains ont pensé que j'avais changé la vie. Alors, il faut même compenser avec le système. Et il y en a au bureau de poste, il y en a au gouvernement, etc. Donc, faire un peu de prudence. Le policier est recyclé, le policier a les chines souples, mais il n'a pas non plus les récidives. Il fera des efforts, mais il attend que tout le monde en fasse. Alors, si on a fait une zone bleue, c'est que les commerçants soutiennent à l'époque de l'administration, qu'on en libère des espaces pour le commerce de proximité. Maintenant que l'effort est fait, ce sont les clients qui trouvent qu'en 1h30, on ne doit pas faire des choses. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut revitaliser le commerce local, tel qu'on le stipule dans le pays public et dans ce lieu de commerce de proximité, on le samedi, qui s'interrogeait pour savoir si
pouvait engager peut-être une manière de revitaliser un petit peu le marché et une réflexion sur, sur la façon peut-être d'aménager une disque qui gagne de moins en moins d'argent. C'est vrai que ça pourrait être peut-être un petit peu plus dynamique. Donc je voulais porter la parole pour, et voir si on pouvait éventuellement mener une réflexion sur la manière de revitaliser ce marché du samedi. Alors, vous dire dessus, M. Berger a assisté aux réunions assez souvent et dans la côté commune. Vous avez perçu que nous faisions. Que nous avions. Vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas beaucoup de commission, puisque vous avez eu la délicatesse de m'évincer de la commission des finances à mon arrivée. Je ne peux pas mettre toutes les 31 des 32. Non, mais ne me reprochez pas de ne pas être si je ne suis pas. Mais c'est difficile. Simplement, dans les séances du conseil communautaire, et vous avez perçu qu'on avait donc lancé un certain nombre d'études et avec la comté de commune dans le cadre du PADD et qui porte sur le commerce local, sur le corps médical, sur la traverse agglomération, sur l'habitat ancien et la revitalisation de cette espèce. Donc tout cela, les études sont en cours, c'est la chambre des métiers et de commerce, la CIC qui fait l'opération. Et on aura vraisemblablement des propositions, puisque ça fait partie de financement. Donc tout cela, ces secteurs-là sont pris en compte par des études. Alors nous avons encore aujourd'hui analysé, mais elles sont en route. Et on en saura plus, et quand on en saura davantage, on en tiendra informé en tout cas, il y a des éléments qui seront confusés dans le PADD et qui seront retracés dans le pays. Je peux ajouter que les travaux sur le PPL du département, M. Fortinon a dit que le département allait se focaliser sur justement tous les centres bourgs, que ce soit des agglomérations mais aussi des villages, des petites villes. Parce que tout le monde se rend compte qu'il y a un problème, déjà par la circulation, hein, c'est pas. Donc c'est pas la circulation. Mais à travers ça, et ils vont se focaliser justement sur des études pour voir comment on peut le revenir. Hier j'étais en réunion. Quand on avait la vie fermée, on avait parlé, je crois, à un moment, on parlait même d'avoir deux activités ou plusieurs activités dans le même local. On en avait parlé à ce moment-là. Hier j'étais. Et c'est vrai que, bon, après, est-ce que ça sera notre décision? Je suppose que c'est une analyse, après on décide pas. Non, mais on analysera, il faut trouver. Hier j'étais en réunion sur le pays, sur le scope de pays à Donchasse-sur-Saône et à Mécon. Commissions qui travaillaient, on a abordé la revitalisation des centres bourgs. Et nous avons un certain nombre des intervenants, que ce soit Tartas qui est intervenu, il y a Rio qui est intervenu, il y a Samadé qui est intervenu, pour dénoncer ce que l'on constate chez nous, c'est que les bourgs se dévitalisent au profit des extérieurs. Et les grandes les surfaces importantes, les contenants de magasins, surtout quand on en sait, on aspire et met en difficulté ces petits commerces. D'abord, certains y ferment, quand ils ferment, c'est la question, pourquoi ils ferment? S'ils ferment, c'est parce que la génération d'après va rester à force de ressources, par la situation géographique, c'est des problèmes de succession, c'est des problèmes d'espace, donc il y a des problèmes de prix, et les gens, quand ils se déplacent facilement, que ce malaise est ressenti dans beaucoup d'endroits. Et ce que l'on évoquait également hier, en commission, sur le bon information, je participe, il y a une assez grande hostilité et à laisser construire des grandes surfaces supérieures et à celles qui aujourd'hui sont acceptées en dessous de 1000 mètres carrés, et donc freiner les agrandissements des grands et permettre des petits à condition qu'il y ait une complémentarité entre eux et qu'il n'y ait pas de concurrence sur le territoire. Et sur le territoire de les deux, ce serait un problème. Donc voilà ce que vous disiez pour essayer de protéger au mieux. Parce que ici, la phase d'expédition, c'est une chose. Mais ça fait partie des idées et des conseils. D'ailleurs, il y a eu un questionnaire qu'on avait reçu pour le compléter, etc. On a eu 11 personnes de
11% de la bourse. Ces activités, ces services de proximité, que peut être le poste, l'interception, le gendarmerie, le banque. On est bien lotis quand même, quand on pense à ça. Non, mais nous, on a quand même un certain nombre de services. Oui, quand même aussi. Mais dans le point d'arrivée. Après, ce n'est pas nous qui décidons forcément. La banque, la gendarmerie, c'est pas nous. C'est pas le cas, ce ne sera jamais. Non, chez nous, chez nous, ça tient. Ça tient bien, tout tient bien. Ce sont autant de questions qui sont posées, qui sont restées chez nous, plus ou moins, mais ailleurs. Après, on a quand même deux gros marchés le samedi, le bon Marsan et R. Il y a la concurrence le samedi. Il y a le magasin Grand Frais qui fait du mal aussi, tous ces magasins. Oui. C'est vrai que ça, pour le petit commerce ici, moi je suis tous les samedis au marché, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde. Marché du samedi, mais après, le problème c'est qu'on a trois primeurs. Ouais, et c'est, voilà, alors c'est ça qui a. Alors ça fait que tous les trois, ils ont un petit peu de ça mal se à. Divise, quoi. Voilà, ça voilà. Des propositions. Au départ, il y en avait un, après, bon, mais Marie s'est arrivée, après, bon, mais. Gaston, mais eux, ils ont transféré leur commerce, ils vendaient de la volaille, ils se sont mis à faire des légumes, donc ça fait trois personnes. Ça répartit, hein. Oui, alors que après, la partie de chiffre d'affaires, ça. De suite, comme il n'y a pas énormément de monde, je comprends que. Ça, c'est une organisation intermarché, qui dépend d'ailleurs de. Puis, du tourisme. Oui, c'est. Il y a un seul qui va s'installer, qui va installer un commerce de fruits et légumes. J'ai reçu un fruits et légumes. Qu'est-ce que je veux faire? Qui? Ah, d'accord. Après, il faut se poser aussi la question. On peut évoquer les difficultés du commerce local. Oui. Et la question qu'on peut se poser, comment y a-t-il de mal à droite pour travailler le commerce local? Ah, oui, oui, c'est ça. Non, non, mais c'est bon, je crois qu'il faut se poser la question. C'est qu'il y en a qui font leur course à Grenoble. Et vous avez, on avait fait à l'époque, on avait regardé, il y avait plus de 50% qui le faisaient à l'extérieur. Oui, bien sûr. Alors, on va dire à Grenoble. Difficulté peut-être, mais c'est très simple que ça, c'est ce que l'on dénonce, est-ce qu'on fait une fois, ça ne veut pas absolument de l'ancien. Oui, mais quand je dis qu'on a bon, c'est bien là, parce que. Voilà, c'est pas de la peau, hein, c'est pas de la peau. Il y a quand même du monde le samedi quand on voit, on a du mal à se garer quand même. Oui, il y a quand même du monde, ça a du mal à se garer, mais après, tu ne vois pas bien qui est. Ça bouge quand même. Et le parking est gratuit le samedi. C'est difficile de se garer. Non, je veux dire, il n'y a pas de garer. Je veux dire, il n'y a pas de limite. C'est gratuit, mais il n'y a pas de. Oui, il y a pas de. Bon, après, il y a des limites. C'est vrai qu'il y a des limites. J'y suis. Tu es maintenant, on est. Comme être information, il y a un spectacle vendredi à 20h30 à Basse-Corse. Allez, un concert, qui ce soir. J'y suis allée moi. Thank you.
Je vous lis ce que j'avais comme ordre, comme ça, ça permettra d'avoir les formations et les pensions que je suis. Donc, la zone bleue, place des Tilleuls. Le stationnement sur la place des Tilleuls est réglementé en zone bleue depuis le 14 décembre 2011. De base, cette zone bleue permet une rotation de stationnement des véhicules en vue de garantir un roulement de clientèle pour les commerçants riverains. Ainsi, l'emplacement de cette zone bleue se justifie afin d'organiser une meilleure utilisation de l'espace public, de limiter les stationnements abusifs et d'éviter les arrêts à double fil dangereux pour la circulation. Zone bleue. Rappelons que le stationnement est limité du lundi au vendredi sur les tranches horaires de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 pour une durée de 1h30 avec tolérance. En dehors de ces heures, le stationnement peut s'effectuer sans limite de temps jusqu'au lendemain matin 8h30. Le disque de contrôle de la durée est en vente dans toutes les grandes surfaces automobiles du retard presse. Il doit être apposé en évidence sur le tableau de bord, avant le véhicule en stationnement. La place des Tilleuls est équipée de trois panneaux réglementaires informant de la zone bleue, située aux trois entrées de celle-ci, à l'embranchement du Frédéricole, à l'embranchement de la rivière et à l'embranchement de l'église. De plus, la zone bleue est matérialisée par marquage au sol. Changement. Depuis le 1er janvier 2018, l'article R. 417-3 du Code de la route, version en vigueur au 1er janvier 2018, fixe l'amende relevant du stationnement limité à une contravention de deuxième classe, soit 35 euros, et non d'une amende de première classe de 17 euros comme auparavant. L'application d'une amende de 17 euros, amende de première classe, n'est plus possible. La liberté laissée aux maires des communes de maintenir l'amende à 17 euros ne concerne que les stationnements payants eurodateurs. On ne parle plus alors de sanctions pénales ni de contraventions, mais de forfait post-stationnement. FPS. En revanche, le montant de l'amende lié à la zone bleue est régi par la loi et n'est pas modifiable. Intelligence. Bon. Oui.